Bienvenue à toutes et à tous dans ce café découverte qui va être consacré ce mois au jeu. Donc le jeu, vous savez, une activité qu'on développe depuis plusieurs années à la médiathèque départementale et dans l'ensemble des bibliothèques, médiathèques et ludothèques du réseau de la Haute-Garonne. Je rappelle juste, donc moi je suis Régis Godec, je suis adjoint au chef de service au niveau des collections. Je ne m'occupe pas de jeux, je m'occupe de choses sérieuses, moi, je m'occupe de musique et de documentaires. Mais je me suis occupé un petit peu de jeux par le passé en 2017. Et j'anime le Café Découverte, donc je vous rappelle le principe du Café Découverte. Nous avons mis en place cette visio tous les mois, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, avec des thèmes différents. Et l'ambition, c'est de permettre aux bibliothèques d'échanger sur... pour leur support sur les collections, parfois au niveau du livre, du disque, du film, mais aujourd'hui au niveau du jeu. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout l'interactivité entre vous. C'est-à-dire que ce n'est pas un temps de formation, ce n'est pas la médiathèque départementale qui vient expliquer qu'est-ce qu'il faut lire, avec quoi il faut jouer, ce qu'il faut découvrir, mais c'est plutôt de vous qui échangez votre expérience et votre connaissance des différents supports. On est sur un format particulier aujourd'hui au niveau du jeu et on est pendant les vacances scolaires, donc peut-être ce sera plus la médiathèque qui sera en prescription, mais on espère que vous pourrez aussi nous proposer un certain nombre de jeux que vous avez expérimentés dans votre cadre professionnel ou pas d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on a plein d'experts et d'expertes sur la thématique du jeu. Alors attendez, on va tenter quelque chose. On va tenter à vous présenter Thomas Segura qui est à l'écran, qui est... Bonjour. Dis-nous un mot, de quoi tu t'occupes en fait, Thomas ? Je m'occupe principalement du jeu vidéo à la médiathèque départementale. Du coup, tout ce qui est console, casque des réalités virtuelles bientôt, enfin pas mal de choses quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de jeux vidéo. Donc voilà, donc je n'en dis pas plus pour l'instant, on verra après. Voilà, on a Hervé, que vous verrez tout à l'heure. Je ne sais pas jouer avec la petite télécommande, donc je ne vais pas faire un zoom sur Hervé, mais vous le verrez à l'écran tout à l'heure présenter les jeux. Et Sylvie. Et est-ce que vous voulez nous dire, Hervé, Sylvie, de quoi vous vous occupez ? On vous entend, hein, les micros fonctionnent. OK, donc moi, comme vous le savez toutes les filles, je m'occupe, donc je suis le référent jeu de société. Donc, je le développe depuis déjà pas mal de temps avec vous sur le terrain. Et je suis aussi en lien maintenant avec le social pour créer des partenariats. Donc, voilà. On a fait ensemble la première journée sur une journée professionnelle jeu où la plupart d'entre vous étaient présentes. Et l'autre référente, c'est Sylvie. Donc, tu veux nous dire... un mot ? Je suis arrivée au service public et donc je suis avec Hervé sur les jeux de société, type à la médiation et aux collections. Merci Sylvie. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Céline. Où es-tu Céline ? Ouais. Ah. Vas-y. Toujours, je suis Céline. Je m'occupe en particulier du numérique à la médiathèque départementale et nous avons une offre de tablettes sur laquelle nous avons des applications et certaines applications de jeux. Alors, on aurait bien fait un tour de table, mais on a Émilie et Justine qui sont en mode muet aujourd'hui, donc sans micro. Et elles peuvent s'exprimer via le chat, mais peut-être du coup, Garance, tu nous dis un mot sur toi et sur l'offre de jeu à Plaisance ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Garance, je suis à Plaisance-du-Touche et je suis référente multimédia là-bas. Donc, je m'occupe du cinéma, de la musique et des jeux vidéo. Voilà, donc je vous parlerai un peu plus des jeux vidéo aussi pendant cette rencontre. Voilà. Parfait. Écoutez, on va peut-être commencer par présenter une présentation de jeu. Justine, Émilie et Émilie, n'hésitez pas à vous exprimer via le chat. Hein. Voilà, Émilie nous dit qu'elle est responsable secteur adulte comme jeux vidéo
Vous avez le message qui s'affiche dans la conversation. Donc vous cliquez en haut et vous avez le menu qui s'ouvre sur le côté droit de l'écran. Donc Émilie, responsable secteur adulte, com et jeux vidéo, c'est Émilie d'Auterive qui nous parle. Et Justine est en train d'écrire, donc vous pourrez lire la suite du message. Hervé, Sylvie, vous voulez commencer par nous présenter quelques jeux de société. Je crois que vous avez fait un voyage récemment oui. Au Festival international du jeu de Cannes. Et donc, vous avez ramené quelques jeux dont vous vouliez nous parler. Je vais vous laisser la place. Vous soyez à l'écran et on va essayer une utilisation technique pour présenter les jeux. Tu les mets en dessous. Tu les mets en dessous. Ouais, je vais faire. Vas-y, tu peux commencer à parler. Vas-y, tu peux commencer à parler. Allez, moi, je vais vous parler d'un petit jeu qu'on a découvert à Cannes qui est très rapide. Et qui se joue en moins de 10 minutes. C'est un jeu donc, de chez Exploding Kittens, présenté par Asmodée, édité par Asmodée. Et du coup, il s'appelle Mentis. Donc, vous allez pouvoir le découvrir. Continue à parler d'attention, c'est civil. C'est un jeu, ouais, bah oui, mais pour leur montrer, c'est bien. Oui, mais voilà, tu parles. Donc, le but de ce jeu, donc, il se joue en 10 minutes. Nous avons à peu près une centaine de cartes. Il se joue de...